Alors effectivement, désolé pour ceux qui sont à distance. Vous pouvez, si vous voulez avoir encore plus envie, aller sur notre chaîne YouTube au nom du cabinet GAE Conseil. Vous retrouverez la vidéo teaser de ce qui va suivre. Là, on n'a pas mis la vidéo, mais je vais vous le présenter. Donc, c'est un escape game qu'on a conçu en 2020 sur la prévention des pratiques IT. Je vous le disais, parmi nos différentes actions en entreprise, il y a aussi celle de la sensibilisation et on a développé une quinzaine d'ateliers sur des formats extrêmement différents et dont l'un d'entre eux est celui que j'ai amené aujourd'hui, que vous allez pouvoir tester pour ceux qui sont présents, un escape game qui s'appelle le pot de départ, de Gérard. Gérard, c'est qui? C'est votre collègue, il part en retraite et vous êtes tous cotisés pour lui offrir un cadeau avant son départ et malheureusement ce cadeau il a disparu et donc il va falloir le retrouver. Donc on va constituer quatre équipes. Vous allez passer dans quatre espaces, un buffet, une buvette, le bureau de Gérard que vous allez avoir la chance de découvrir, et puis un des vestiaires de l'entreprise. Merci à l'UMM de m'avoir prêté un vestiaire. Voilà, donc vous allez pouvoir passer dans ces quatre espaces et puis vous allez donc résoudre des énigmes dans chacun de ces espaces en lien avec la thématique du jour, hein, donc les conduites addictives. Et puis voilà, je vous accompagnerai au fur et à mesure de votre découverte. Le principe, c'est un escape game de prévention. Donc, ce n'est pas un escape game classique. C'est juste une manière de faire de la prévention autrement, avec l'idée derrière, bien évidemment, de faire passer des messages de prévention, toujours dans une double approche, des messages de prévention en santé publique et des messages de prévention en santé sécurité au travail, bien sûr. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette séquence.